The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Good morning, traders. Welcome to the Bookmap Professional Trader webinar series. Today we have Jean-Marc Soulieu. This webinar, he's French. He will be speaking in French, but it will be translated in English by Corey. He is excellent. You'll get everything from Jean-Marc here. Really doesn't miss a beat here. I don't know how Corey does it. He's excellent at it. So these guys trade together quite a bit and know exactly, I guess, what they're talking about with each other here. Anyway, Jean-Marc, self-taught professional trader here, using primarily his own money with a scientific background. Mathematics, statistics, probabilities. He's been trading for quite a while, from stocks to Forex, and then futures now, and looking primarily at the limit order book, time and sales, volume profile, and specializes now in market microstructure and order flow analysis. He's a scalper, and he's very rarely in positions longer than a few minutes. So you guys that are scalpers out there, this is going to be a great webinar for you. You can see some of the Bookmap content, contact information here. Reach out to us at support@bookmap.com. Risk disclaimer, I need to go through this. Trading futures, equities, and digital currencies involves substantial risk of loss and is not suitable for all investors. Past performance is not necessarily indicative of future results. And then here's Jean-Marc's contact information. Okay, and don't worry about writing this all down. I am going to periodically be pasting it into the chat for you guys so that you have all the links and emails, contact information, Twitter, YouTube, Facebook, etc., as well as the special offer Bookmap link from Jean-Marc here if you're interested in that. So without further ado, let me turn it over to Jean-Marc. Hello. Hello, everybody. Alors, montrez mon écran. OK. Yeah, we hear you great. Vous avez mon écran? Corail, c'est bon? Yeah, we see your screen. Oui, oui. C'est l'écran. Est-ce que c'est avec ma photo? Oui, c'est bon? Tout à fait. Bon. OK. Here you have Jean-Marc's screen. That's all right. Yeah, looks great. Bonjour, bonjour tout le monde. Je me présente. Je commence, Bruce. OK. Donc, mon nom est Jean-Marc Soulieu, comme disait Bruce. Et je suis un passionné d'order flow et un trader au carnet d'ordre. Et donc, un trader avec Bookmap, puisque Bookmap est un carnet d'ordre. Depuis maintenant 6 ans pour Bookmap. So Jean-Marc just introduces himself, Jean-Marc Soulieu. He's been, he's focused on order flow. He's an order flow trader since now 6 years or more. And so he specializes in order flow, book map, and order book patterns and all kind of microstructure stuff that we'll review together today. Tout à l'heure, par curiosité, je regardais quand j'avais fait ma première vidéo sur Bookmap, et ma première vidéo sur Bookmap remonte au 4 juin 2014, et j'avais déjà commencé à l'utiliser. Donc, j'ai commencé à utiliser Bookmap début juin 2014. La première vidéo, c'est celle-ci à l'écran. For your information, Jean-Marc, well, we were talking with Jean-Marc just before the webinar started and checked the first video Jean-Marc made using Bookmap, and it was in June 2014. So it's been quite a long time. you can see all those videos on his YouTube channel, by the way. OK. Personnellement, je suis trader, pas formateur. Jean-Marc is not a teacher, he's a trader, right? J'ai juste une chaîne YouTube de partage gratuit. So
So he has got a free YouTube channel that you have the link on the screen. Et par contre, j'ai un très bon ami et un trader avec qui je trade tous les jours qui a un site tradingmarketprofile.com et qui lui fait des formations sur tous les outils que je vais présenter aujourd'hui et notamment Bookmap. So Jean-Marc has no commercial website on his own, but he's trading. Well, he's trading and with one of his very good friends and colleagues that he's trading almost every day, who has a website where you will find as well almost all of this content, and you have the website link here, HTTP trading dot or marketprofile.com. Yeah. Okay, so let's get started. Un résumé très rapide de ma façon de travailler, parce que je vais résumer parce que sinon ça va être très long. So just a quick summary of the way or the method basically or yeah the routine that Jean-Marc uses. La première chose que je fais est c'est de quadriller mon terrain, de regarder dans quel dans quel contexte se trouve le marché et quelle structure de marché j'ai en face de moi. C'est ce que j'ai appelé la background information. Je ne sais pas si c'est ça, Corail. Yeah, that's so. Just to summarize, first you need to identify the, let's say, the context. Well, it's in English, so I don't think I need to go through it. But you to trade with confidence, that's exactly what's written, right? Right. You need to know the context. What has the market been doing over the last year, over the last days, over the last hours? Where are the ranges? Where are you know, what has the overnight session been doing, etc. Okay. Deuxième chose, j'identifie les niveaux et les zones où je vais intervenir. So the second step is identifying specific intervention levels where he will look to find trades, basically. Levels, areas, zone. For example, areas with stops. Ensuite, grâce à l'order flow, grâce au carnet d'ordre, grâce à Bookmap, je surveille ces niveaux et c'est l'order flow, c'est Bookmap qui me donne ou non l'autorisation d'entrer en position. So then once the context is clear and the playground is defined with intervention levels or zones or stop areas, whatever zones I think we'll go through it. Then Jean-Marc monitors the order flow to see around the intervention levels or zones that he has identified if basically there is a trade opportunity or not. Donc, après avoir vu un bref résumé de ma méthode, on va regarder quels outils j'utilise. Quels sont, what are my tools to apply my trading method? First, market profile et volume profile. Et c'est grâce au market profile et au volume profile que je vais faire ce que j'appelais tout à l'heure le quadrillage de mon terrain de jeu. So first, the tools for the context that Jean-Marc uses are market profile and volume profile. Et c'est grâce au market profile et au volume profile que j'aurai mes niveaux et mes zones à trader. So the areas and levels that he identifies are done accordingly using those tools. Market profile and volume profile. Ensuite, Bookmap, qui est le centre de mon trading, vraiment c'est l'outil qui est au centre de mon trading, va me donner l'autorisation d'entrer en trade. Et en second support de décision, j'ai le footprint. So then, after the volume profile and market profile, Bookmap is the center really of the decision making in the strategy.
And as a confirmation, Jean-Marc also used the footprint, which gives well, another view, or sometimes confirms or gives more confidence. Ouais, ça augmente ma confiance. Just a different way to put things, actually. Et moi, j'utilise Bookmap pour trader, c'est-à-dire que j'exécute mes trades dans Bookmap. Je m'en sers comme carnet d'ordre. So and Jean-Marc executes through the execution function of Bookmap. Always. Alors, je voulais juste montrer que l'order flow, c'est quand même un vaste, vaste sujet que je ne peux pas couvrir aujourd'hui entièrement, mais je vais vous montrer une diapositive. Voilà, par exemple, une liste sommaire de toutes les patterns order flow qu'un bon trader au carnet doit connaître. So it's not possible to go through all the patterns and all the, well, order flow is something we could discuss for hours. However, you will see here the different patterns or patterns that you have to know or understand basically to use order flow to make your decisions. So you see rejection, ouais, exhaustion, unfinished auctions, iceberging, sweeping, spoofing. Aujourd'hui, on va voir un peu de flipping. On va voir un flip. So today we'll see some flipping, book flipping, et un front running aussi, et un momentum ignition. Et momentum ignition. Ouais. Et je crois que le coup d'un flow driven market, quoi. Ah ouais, et un flow driven market. And also si on a le temps, si on a le temps, si on a le temps, si on a le temps. Ok. Attends, hop, je repars là-dessus. Excusez-moi. So, je vais montrer deux ou trois exemples de trades hier. Un, le premier sur le e-mini SP500 à l'ouverture de la session cash. So, we'll go through a couple of sequences or trades. The first is yesterday on the mini, the spoof. OK. Je vais vous montrer sur la plateforme où j'ai le market profile et le volume profile comment j'ai fait mon contexte avant de commencer à trader. So let's go through the step by step through the context before coming to the trade itself and to book back to the execution. OK. Alors, le market profile. So first the market profile. Yes. Vous voyez mon market profile là, c'est bon? Oui. C'est bon? Alors, hier, la journée d'hier, c'est ici. C'est là. Ça c'est l'agrandir un peu, non? Ouais, je peux un petit peu l'agrandir parce que mais il faut. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ouais. C'est bien, hein, comme ça. Voilà, donc c'est un market profile pour le SP500 avec il est scindé en deux, il est coupé en deux. Il y a une partie qui est la session overnight et une partie qui est uniquement la session cash. Et je vais prendre. So here you see. Here you see the market profile. So each profile here represents, so the first profile represents the overnight session, and the other profile does represent the cash session or the. Okay. Le rectangle vert, c'est la session cash. Et so in green you have the RTH and in well and the bigger rectangle is the overnight session. Je vais le mettre en rouge. Celui-là c'est le rouge, red overnight. OK? Donc je vais enlever ça. En session overnight, quand j'ai fait mon contexte, j'ai remarqué que nous avions une session très balancée avec un POC, c'est-à-dire un point of control,
market profile et un point of control volume, un VPOC, au même endroit est très marqué, très pointu. Donc, qui en général, quand c'est très pointu comme ça, ce sont des niveaux très importants. Ici. So the overnight session shows a really balanced profile with a high kurtosis, let's say, and we see that the volume profile or the point of control in volume and in time or in TPOs is at the same place or at the same area. I can't read the level, but you see it in red, right? Là, je vais faire le rectangle. Here. Here, exactly. Un magnifique POC, une value area très resserrée avec un POC au milieu très très marqué. Et si on retourne un petit peu en arrière et que je regroupe les trois ou quatre derniers profils. So, and if we go back in time and merge the previous profiles, on voit que les deux ou trois derniers jours donnent un POC vraiment au même endroit. C'est un niveau extrêmement important. Then merging the two, three last days, you find exactly the same level as far as the point of control. Here you see it in this small box that Jean-Marc is drawing on the screen. So it's all corresponding, basically. C'est un niveau à l'ouverture, quand le SP500 va ouvrir, et on sait que le SP500 va ouvrir à peu près juste au-dessus, ici. L'ouverture va se faire juste au-dessus. C'est un niveau qu'il va falloir surveiller, parce que si on vient chercher ce niveau, il va falloir surveiller Bookmap, le footprint, pour savoir si on peut rentrer dessus à l'achat ou pas. C'est un niveau très, très puissant, qu'il va falloir surveiller absolument dans Bookmap. So we know before the open, before the market, the cash open or the RTH session starts, that this will be a level to closely monitor for a long entry as long as we open above it. Bien sûr, il y a d'autres scénarios, mais comme le temps nous est compté aujourd'hui, je vais directement au scénario principal qui est celui-là. Yeah, this is not the only scenario for the day, but as we are limited in time, we will go through. I mean, we just will mention this scenario. Ce qui va se passer, en fait. C'est une ouverture assez typique. Je vais vous montrer une diapositive de quel type d'ouverture on va parler. Et après, je vais vous la montrer dans Bookmap. C'est une open rejection reverse dont on va parler. So the opening type is quite the usual pattern that we find on especially on this market, but on all markets more generally speaking. And it's voilà an open rejection reverse. Une open rejection reverse, c'est une des ouvertures type market profile les plus compliquées à trader. Le marché va ouvrir, aller chercher un niveau qui va rejeter, se renverser et ensuite continuer bid up très très fort. Et on va voir dans Bookmap à quel moment on pouvait entrer en position et qu'est-ce qui nous a confirmé l'entrée en position de ce type d'ouverture. So it's one of the most difficult open configurations, let's say, to trade. You have here what is awaited, but when to decide to enter a trade and when to basically understand the kind of opening is what we will now see in with Bookmap. Je voulais rajouter que nous avions une confluence avec d'autres niveaux au même moment. Je vous montre, par exemple, c'était là, c'est hier. Nous avions ici le petit trait orange, c'était le VWAP cash. So we had on this level, we also had
a couple of other levels or other confluence, let's say, of information or levels, like the cache VWAP. Le point pivot, le très rose, le point pivot. That was the pivot for the day as well. L'ouverture de la veille, ici, le très orange. Et the open from the day before. Et ici, vous voyez, c'est le volume profile de la veille. Vous voyez qu'on a un gros POG volume, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux alentours de l'ouverture. OK. De toute façon. Yeah, volume point of control from the day before, just about. Une dernière information avant de commencer. Nous avons aussi, à l'ouverture de la cache session, ici, ce trait gris entouré de jaune, c'est le VWAP Globex. Donc, vraiment, c'est une zone où le SP500 va ouvrir, où il y a une confluence de niveaux très, très intéressant. De toute façon, je les mets dans Bookmap. Hein. Ils sont dans Bookmap, je vais vous montrer. So what you have seen in the yellow channel with the gray line in the middle was the Globex VWAP. Tous mes niveaux sont ici. Tous les niveaux dont je viens de vous parler sont dans Bookmap. So all those levels you can see that Jean-Marc references it in Bookmap directly in the custom notes. Or we use as well another function to On va regarder le replay de l'ouverture pour vous montrer. Donc, on a vraiment une très belle zone. Tu peux mettre en grand? Ouais. On a donc vraiment une très belle zone ici avec une confluence incroyable de niveaux qu'il va falloir surveiller. Allons-y. So je mets le replay en route. Above those levels with this beautiful confluence of different levels. Voilà. Donc je vais accélérer un peu parce que sinon, comme on n'a pas trop de temps, je vais mettre vitesse 4. Hein. So this Donc is in... le SP va ouvrir dans quelques secondes. 4x speed, we're just at the open. Déjà, on voit avant l'ouverture qu'on a une grosse pression de liquidité au-dessus. We see a lot of liquidity above the prices. Et tout de suite, dès l'ouverture, on va chercher la fameuse zone dont je vous ai parlé avec tous les niveaux. Donc, right on surveille. Right from the start, we go to that area that we have identified beforehand. À ce stade, pour l'instant, je ne fais rien. Je surveille. Pour l'instant, c'est vendeur. On voit, je vais mettre sur pause. On voit tous ces cercles rouges, ce sont des ventes au marché. Donc là, pour l'instant, les acteurs qui dominent, ce sont les vendeurs. Donc pour l'instant, on ne fait rien, on attend, on observe. So for the moment, we watch as right at the open, sellers take control. You can see the red dots, I mean deltas are sellers dominated. Et mon footprint à côté me raconte la même histoire. Pour l'instant, ce sont les vendeurs qui dominent. Je montrerai après. Vous voyez, tu peux leur dire que non seulement les vendeurs marché dominent, on le voit grâce au gros cercle rouge, mais les vendeurs dans le carnet ici dominent aussi. Vous voyez cette pression, ce plafond d'ordre limite au-dessus des prix qui met la pression. Ce sont les vendeurs qui mettent la pression, les vendeurs dans le carnet cette fois-ci. So far you can see that active sellers or let's say market orders are in majority sell orders, and you can see as well as above the book is plenty of liquidity. They are pushing the prices down. Exactement. Ils poussent le prix dans la zone. On a vraiment l'impression qu'ils veulent aller chercher la zone. Et là on commence à avoir une réaction des acheteurs. Là on commence à surveiller de plus près. Il y a une première réaction. Mais ce n'est pas encore le moment de rentrer. Alors, certaines personnes très agressives, puisqu'ils ont cette confluence de niveaux et que ici,
les prix se sont arrêtés un petit peu, que les ventes au marché ont été absorbées, certains traders très agressifs sont déjà rentrés ici à l'achat. On peut, mais moi j'attends encore plus de confirmations. So as we have identified this area, depending on how aggressive you are, you could already take a long here, down here, at the first reaction. But Jean-Marc didn't. Là, nous avons donc un premier retracement. On retourne tester encore cette zone. So you have a first retest. Toujours avec cette pression au-dessus. Toujours. On sent que les prix sont bloqués. En fait, ça, c'est une pattern importante. Le fait d'avoir ce plafond de limite ici, c'est pour bloquer les prix dans cette zone-là, pendant que quelques acteurs accumulent à l'achat. So you can see that right from the open and after, when we test higher, probably the opening price, the limits are, I mean, the book is still plenty of liquidity above. I mean, this is just a wall that the sellers are, or it's a market kind of manipulation to show that liquidity and scare the buyers. Et pendant ce temps-là, les acheteurs accumulent en bas. And in the meantime, the absorption from the buyer is taking place at the lower part of the swing, let's say, in donc, the area that we have identified. Donc notre scénario principal à ce moment-là, c'est que si cette liquidité se retire et que les prix passent au-dessus, on va chercher un point d'entrée à l'achat. Continuons d'observer. At this point, the strategy for us is quite simple. If this liquidity is pulled at the next test, basically that those red bars disappear or are filled, we will look for a long. Donc, on continue d'observer. Il y a toujours le retracement ici. Les vendeurs au marché sont absorbés une fois de plus. So sellers are again absorbed just at the beginning of the area, you can notice. On le voit bien sur le volume profile ici, il y a une absorption ici et ici, il y a deux zones d'absorption, deux bulles, une ici, une ici. So you can see on the volume profile building the absorption taking place in ici. Two different areas. One upper small area and one lower area. Filling the middle right now. Encore un micro-support où les vendeurs sont absorbés ici, toujours sur le haut de la zone. Another là, area of absorption at the top of the area. Ici, ça peut être aussi un deuxième point d'entrée long pour les traders plus agressifs que moi. So second, this big bubble here is the second potential very aggressive trade opportunity for a long. Again, Jean-Marc didn't take the trade yet. Et faites attention, observez bien, on va voir quelque chose de très important dans les minutes qui suivent. So be careful, look very very carefully at the order book. Something will happen over the next minutes. Tu stops, hein, parce qu'il faut que je te comprenne bien. Ouais. OK. On commence à attaquer. So the liquidity is filled. So it's basically the buy orders have filled this kind of wall that has been there since the open. Pour l'instant, ça ne passe pas. The first attempt doesn't come through. Ah ouais, j'accélère un peu. Et là, on passe. Ça commence à. And this time,
be attempted on commence à... successfully. Et là, c'est voilà. très important. Là, c'est très important. Stop. Regardez bien. Là, c'est très important parce que toute la liquidité que nous avions ici a été exécutée. Toute la liquidité que nous avions ici a été exécutée et une partie a été retirée. Et nous commençons à voir qu'elle se met en dessous. C'est ce qui s'appelle un flip. So it's important. So first, the wall that has been the liquidity wall that has been there since the open is filled or at least partially filled there. Then you see liquidity added liquidity on the top, basically pushing the prices lower. But then when we go through this wall again, well, I think part of the liquidity is not filled; it's just pulled. Yes. And what happens is this liquidity just flips, and you see this liquidity coming below the prices where it was above the prices. So it's a very very common et flip pattern. That's a flip in the book. C'est une pattern order flow très connue, et dans le type d'ouverture que l'on a là, c'est-à-dire une open réjection, c'est le moment où le reverse se confirme en fait. On est en train de repasser au-dessus de l'ouverture, et moi c'est là que je rentre. Quand je vois qu'il y a ce flip, j'entre en position. C'est à ce moment-là que moi je rentre, parce que j'estime que c'est ma confirmation. Je vais mettre en route et on va voir la suite. So this is the precise moment when we cross, let's say, above the open, and we see the flip in the book where Jean-Marc is looking for a long now. And look how the liquidity thickens below the prices. That's a perfect flip. It's wonderful, magnifique. Yeah, that's a beautiful flip there. Yes, yeah. And here, là, on va avoir encore une petite absorption des ventes avant que ça parte vraiment jusqu'à 43 ici, jusqu'au haut d'hier. Again, sellers are absorbed one time, two times. Et maintenant qu'on est en position, je vais vous montrer pourquoi je suis sorti. So now we are long. Et je vais vous montrer Jean-Marc is going to show us why he exits the trade. Je mets sur pause juste deux minutes, je vais mettre plus grand pour que vous voyez quand même, c'est très joli. Hein. La pattern, le flip, là, c'est un cas d'école. Vraiment, très très joli flip. So this is really, really a beautiful flip pattern. They are not always that clean, let's say. And visible. And the price bid up, bid up, bid up. I stay in position. But here, à 3143, on a les hauts de la veille. Donc attention. So you see here, yesterday or the previous day highs with liquidity showing up. So this is an area to closely monitor. Here. Nous arrivons sur les hauts de la veille. Donc moi, là, je sors parce que je sais qu'on ne va pas passer du premier coup et que ça va retracer. Donc je ne veux pas rendre de l'argent au marché, je prends tout maintenant. Et vous allez voir que l'on pouvait non seulement sortir et prendre sa target, mais vous allez voir qu'on va avoir une deuxième pattern qui s'appelle absorption et que les prix vont se renverser complètement à l'inverse. So here Jean-Marc takes his profits basically because he knows that the probability is to go through the highs of the previous days are low, so he's out of the trade. And absorption. You will see a second absorption pattern, yeah. But this time buyers are absorbed. You see here, it's a wonderful absorption. Buyers, les acheteurs essayent de soulever l'offre ici. Et on voit que les vendeurs dans le carnet sont exécutés, mais que ça recharge derrière. So buyers lift a bit, but there is a well the bid the offers are refilled. Donc on peut shorter à ce moment-là.
So at this point, as a scalper, you can go short with a very, very tight stop. Et maintenant, pour aller plus vite, je vais juste accélérer rapidement pour montrer ce que ça a fait. On ne va pas regarder tout. J'accélère. Hop, hop, Let's hop, speed up hop, a little bit. Hop, hop. Voilà. Donc, après, donc nous étions ici et le SP500 a fini ici une heure plus tard et là. So, you can see 1 hour later, we are down in the same area. Voilà. Donc, l'ouverture, open, absorption, réjection, reverse, et bid up, bid up, bid up, bid up, bid up. Et ici, encore une absorption, et à nouveau, renversement, et petit sell-off. Donc, c'était une journée classique. Assez sympathique à trader. Et vous voyez ici, au niveau du double top, on a un premier top ici avec une absorption des achats, mais on a un double top aussi ici. Et le double top, regardez le plafond de limite qu'on a au-dessus. So you can see, so first, what we have discussed, at the open, the selling activity, the absorption on the lower part, the first rejection, the second absorption of sellers, then we come back to the open, we reverse, that's where we go go long, and then we see very, very clearly that the first attempt to the previous day highs are absorbed, but this time the buyers are absorbed, the liquidity is still there, and there is a second top here where you can see that liquidity is added on the top, basically on the offers, and basically the price is pushed down for a small small sell off. Yeah. And you can see sur ce retracement, pareil, il y avait un point d'entrée short parce que vous voyez, on a vraiment un chapeau de un plafond, j'appelle ça un plafond de d'ordre limite vendeur, qui empêche complètement les prix de retracer plus profondément. Et ça repart après vendeur. And on this pullback in the sell-off, you can clearly see that, again, the book is constantly filled with limit orders. And basically, that's a roof above our heads. So that was the second short setup, let's say. Et c'est pour ça que Bookmap est un outil unique, parce que il est très visuel. Dans un carnet d'ordre classique, si vous êtes très expérimenté, vous pouvez voir la même chose, mais ça va vous demander beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus d'années de travail avant de voir ça, et ça va vous demander beaucoup plus de concentration et de fatigue. So this is where Bookmap is a real added value to our trading, because basically you could do the same or have the same analysis just looking at your tape and at your DOM, but you need years of experience to basically to visualize that or to capture basically what's happening, whereas Bookmap shows it very visually. Je voulais juste montrer le footprint rapidement, qui me confirmait aussi ce qu'on vient de voir dans Bookmap. So here is the footprint that confirms basically what we were seeing in Bookmap as far as executions, of course, because the footprint doesn't show the limit orders, it just shows the fills. L'ouverture est ici. Alors je vais les mettre côte à côte, side by side, hop. So you have them side by side. Okay. Excusez-moi. On va faire comme ça. Allez, tac.
Donc, l'ouverture est ici. Dans Bookmap, c'est là. So the open is there. Le SP500 descend. So that's the first. La première absorption. La première absorption dans Bookmap est là, sur notre zone avec tous nos niveaux, c'est ici, et dans le footprint, c'est ici. So et what we see is the first absorption phase of sellers absorption is what that we have seen in Bookmap is there in the footprint. So the footprint c'est un 4 tick reversal que tu as là. Oui, c'est du tu peux leur dire c'est un 4 tick reversal avec des imbalances à 500%, c'est-à-dire que ici So this is a footprint in 4 tick reversal with a 500% imbalances shown in green or in I don't know the exact color I can't see it but ici j'ai une imbalance, regarde. So here is the first imbalance. Attends. Meaning basically just in diagonal. J'ai 256 contrats acheteurs contre 17 contrats vendeurs en dessous. OK? So in diagonal, you have 256 lots bought at market here and 17 sold on the bid. Dans la mèche de la bougie. Et dans la mèche de celle-ci, j'ai 625 acheteurs marché ici contre 150 vendeurs en dessous. Donc, là et là, dans les mèches des bougies, j'ai 5 fois plus d'acheteurs que de vendeurs. So in both locations, well, in the second one, you have 625 lots bought for, combien t'as dit? 125 sold, I think. 625 acheteurs contre 150 vendeurs ici. So 150 sold and 625 bought. So two buy imbalances on down candles shown here. That well we see exactly what we see in Bookmap, but that's as far as execution that's sometimes easier to see. In Bookmaps, it's here. And on a, tu peux leur dire aussi, on a une divergence prix delta, c'est-à-dire que les deltas remontent alors que les bougies descendent. Donc so tout you ça. Can also, you can also see that there is a delta divergence, which means basically that the prices go lower but the deltas go higher. So that's what we call a divergence. Donc le footprint, c'est mon second outil. C'est pas lui qui me dit d'entrer en position, mais il me confirme que ce que je vois dans Bookmap est intéressant. So this, the footprint is a kind of a second tool, let's say, to confirm what we are already visually seeing in Bookmap, but just with, let's say, figures. Si on a le temps, je peux montrer un sell-off sur le pétrole hier, après au moment des inventaires du pétrole. Tu peux leur dire si tu veux. We'll go through another example, this time on crude oil, yesterday, just after the weekly inventories, the IA inventories. À 16h30, heure de Paris, nous avons les inventaires du pétrole, que j'adore, je traite beaucoup le pétrole, c'est un de mes instruments favoris. Et les inventaires sont ressortis. Vas-y, oui. 4:30 p.m. our time in France is the weekly inventories every Wednesday on regular weeks, let's say. Et ces inventaires sont ressortis beaucoup plus élevés qu'attendus. Ou je ne sais plus si c'était beaucoup moins élevé, je ne sais plus. C'était beaucoup plus élevé qu'attendus. Donc, well, the figures were bearish, very bearish. Very bearish. Et là, nous sommes juste avant les inventaires. Et vous voyez que les prix sont vraiment coiffés. Hein. En dessous, il n'y a rien. Il n'y a pas de gros ordres dans le carnet, mais au-dessus, encore une fois ce que j'appelle un plafond. Juste avant. We can note that's before the news, but you can already see that there is a lot of liquidity above the prices. And also note that the liquidity does not disappear despite of the news coming out
on the offers where the bid is quasi empty. Donc, je vais mettre vitesse 1 et vous allez vous rendre compte qu'on peut parfaitement trader un sell-off après une news. So let's put the speed to 1, so that's real time, that will be real time replay, and you'll see that you can perfectly trade that kind of news if you know what you're doing. Of course, it's it takes a little bit of experience. Yes, of course. Voilà, ça commence. Look, on voit parfaitement que les vendeurs prennent la main directement. Et là, on commence à avoir des petits retracements. Et on va voir que les retracements, les acheteurs n'arrivent pas à retracer. So we see some retracements, but very quickly you see that buyers basically fail to bring the prices higher, and that sellers just take control and keep it. All red in delta. Yes, tout est en delta. Regardez, vendeur, 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 vendeur. Only red dots. There is absolutely no doubt about who is acting or who is executing. Sell orders everywhere. En plus, les inventaires ressortent beaucoup plus positifs, donc normalement le pétrole doit baisser. Mais enfin bon, ça c'est une autre histoire. So on top, at this point, you know the figure, so you have seen that they are bearish. Where you have to be careful because sometimes you know the markets can be very tricky. But at this point, there is no contradiction between. Regardez, la liquidité acheteuse est grignotée. The bid, you can see that the bid is basically executed, filled, almost no retracement. Voilà, encore un retracement qui échoue. Very quickly, the buyers are just voilà, hop. Crushed. La liquidité acheteuse est bouffée. Liquidity in the book is filled. Les cercles rouges qui sont les ventes au marché sont énormes. You can see the size of the sell phases or sell orders. You can see those dots. Et en fait, ces dots. Red and big. C'est le tape. Tu peux leur dire que ces volumes dots, en fait, c'est le tape. Yeah, which is basically the tape. The size of the bubbles is representing the volume. The color is the color by delta here. J'accélère un petit peu. On va. Ça s'est allé jusqu'à combien? Regardez ça. Je sais plus. J'accélère parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Hop. So vous voyez, c'est le même principe. Hein, c'est le même principe. Les retracements acheteurs sont pas profonds et par contre les vendeurs attaquent. Look this sell-off. It's incroyable. Unbelievable. So, lots of liquidity added on the top as well on the offers at each phase. Very visible, ouais. Very visual. J'arrête cet exemple là, mais c'était pour vous montrer à quel point dans Bookmap on voit chaque événement et on a le temps de rentrer même sur un mouvement parce que une bougie ne vous avez remarqué qu'à certains endroits il y avait eu des ralentissements. Une bougie va vous montrer des mèches et vous allez vous dire, puisque je suis sur un support, je peut-être que le mouvement va s'arrêter là. Mais dans Bookmap, vous voyez que non, les vendeurs ont la main et les acheteurs qui essaient de retracer échouent à chaque fois. Donc, c'est très visuel et on a le temps de rentrer en position largement et de vendre et de faire un scalp à la vente. Largement. That's the big difference with candles, because if you have identified a support area or any level on the way down, looking at candles, you will be tempted to think, well, maybe, you know, we are on a support. We have a little retracement. My candle, my 1 minute candle or any candle will show, yeah, you know, will be shaded on the top, but
still you can think that buyers might take control, whereas looking at Bookmap, I mean, there is absolutely no question about who is in control. Et I think ici, dans cet image, exemple, the picture is self-explanatory. Aucun doute. Et je n'en ai pas parlé parce que sinon on va y passer la journée. Mais il y a des patterns order flow qui nous le confirment, notamment une qui s'appelle le sweeping. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on voit que le marché sweep le bid à plusieurs reprises. Et ça, c'est une pattern très importante quand le marché devient directionnel. Ça nous confirme qu'on peut entrer dans le sens du marché. Yeah, so without going into too much details, there is, and if you have this replay on your own platform, you can replay it and you'll see it very clearly. You see several steps of sweeping. Sweeping is basically a massive order that sweeps several levels of the bid. So this is in that type of situation in trending markets, when you have repeated sweeps like that, it's as well and something you have to consider or to take into account in your decision. You can, as long as you see those sweeps, basically you can stay in your short. Si on a le temps, je montre un dernier exemple. If we still have some time, Bruce, we can maybe go through a last example. Absolutely. Now, great stuff. All right. Also, you know, really beautiful examples of and just current activity. Beautiful monitor with the display in full depth as well. Really, really nice to see. Yeah, it's important to have the full depth. Yeah, indeed. Oui, yes, yes. So, c'est sur le DAX. Alors, je sais que peut-être vous, les Anglais et les Américains, le DAX, vous ne le traitez pas, mais sachez que j'ai pris cet exemple parce que c'est un carnet léger et que donc ça peut s'appliquer au Nasdaq, au Mini-Do et au pétrole. On va voir une Open Test Drive. Je vous montre rapidement une diapositive de ce qu'est une Open Test Drive. So here we will go through an example on the German DAX, which is maybe not an instrument you're trading. So just for people who don't trade this instrument, it's a very light order book, about, you know, 10 to 15 to 20 lots maybe on each row on bids and offers. But it's something, well, in the behavior quite similar to what you can see on the Nasdaq, or even though if crude is a little bit thicker, somehow comparable because the volume is as well bigger on crude. So we will see an open test drive. Oui, ce que nous allons voir dans Bookmap, c'est une open test drive. Le marché ouvre ici, descend un tout petit peu et est rejeté violemment pour ensuite remonter. Alors, vice-versa, hein, ça peut être à l'inverse, mais là, c'est acheteur. Et on va voir ce que ça donne dans Bookmap, et on va voir qu'on pouvait rentrer à l'achat aisément. Well, I don't think I need to translate because it's in English already. But we will see an example of an open test drive up in that case. But obviously, it works for open test drive downs as well. Et on va le mettre vitesse 1, parce que je veux que vous voyez que ça se traîne. Again, the speed is a real speed, so one time. Ah, j'espère juste que je ne me suis pas trompé de fichier, c'est tout. Attendez, on va y aller. You see, the depth is a little bit different for those who don't know it, because we just have 20 rows of information on the attention, depth. Ça va ouvrir. Right before the open. OK. Ouverture. Look, les vendeurs. Regardez les vendeurs, et boum! Vous avez vu? C'est très important ce qu'on vient de voir. So you can see right at the open, let's say, kind of sellers only, big red dots, selling activity only.
And Once, twice. dans le carnet, yeah. dans le carnet, on a vu des acheteurs se placer, de gros acheteurs. And right from the start, you see this added liquidity in the book on the bid. Donc ça, c'est une ouverture et un test. Et si jamais on commence à remonter très fort et que l'on a de la manipulation, par exemple, des ordres qui viennent se mettre en dessous pour pousser les prix, on aura une open test drive et on pourra rentrer à l'achat. Je mets en route et vous allez voir la suite. So this is a very classic open test. And if we observe any kind of liquidity added on the bid or so, right at the cross of the opening price, we already suspect an open drive. Et je vais vous dire où je suis rentré en trade, parce que c'était hier. So that was yesterday, so Jean-Marc will tell us where he did enter the trade. It's a beautiful open test drive. J'ai entré mon trade sur ce retracement ici, sur le petit support que l'on est en train de tracer. J'ai acheté les 77 ici, 13 077. So he bought at those levels in this first retracement. So you see, it's not really scalping like crazy in the first seconds. It's this kind of Regardez, open gives you an indication what's going on. Oups, ça frise. Vous voyez bien? Ouais, c'est un peu saccadé, mais ça va. Ouais, ouais mais c'est normal. Le DAX est monté de 100 ticks en moins d'un quart d'heure. 100 points, pardon. Non, 100 ticks, 100 ticks. So the DAX took 100 ticks in less than 15 minutes. Le plus important à avoir observé, c'est le test qui a été rejeté. C'est ça qu'il faut savoir repérer. Et ensuite, tout ce qui est spoofing pour pousser les prix plus haut, il faut savoir le repérer aussi, mais c'est l'ouverture et le test qui est rejeté qui est le plus important à repérer. So the real important thing to watch for and to, let's say, consider is the type of open, the way it opens with this test down and directly rejection. At this point, you know which kind of open you can expect. On sait qui a la main, qui va vouloir. Regardez, look, on le voit plus le DAX tellement il est dans le sel. L'écran est trop petit. L'écran est trop petit pour le mettre. Yeah, so you can see the DAX is quite like Nasdaq when it catches look, a look, bid, look. it can be quite look. Brutally. Yeah. Magnifique, wonderful open test drive. Et je me suis trompé, hein. C'est 100 points, c'est pas 100 ticks, hein. C'est incroyable. Quoi. Actually, it's not 100 ticks, it's 100 points, so it's 200 quasiment, ticks. Ouais. Bref, je vais mettre sur pause. So obviously, you have several patterns that you can observe and that will comfort you in your longs, but we can't go through all those patterns. But voilà. The open in itself, I think, is self-explanatory. Voilà, c'est la pattern la plus importante à repérer, donc c'est la réjection ici du test. Ce qu'on a vu en tout premier, la première chose, je vous remonte ce qu'il y a de plus important à so repérer let's go through, et après what is on arrive. Most important to catch in this action. Et après, on arrêtera. J'ai des problèmes avec l'affichage de... J'ai des problèmes, je suis désolé. Ah zut, il est reparti, je ne sais pas où. Où est-ce qu'on est? 8h30.
Tu peux pas zoomer avec la fonction là plutôt, non? Avec la main? Si, attends, ça va venir. Attends, je vais y arriver. Voilà. Le plus important, donc. So the most important here to watch for. Attention, on va mettre vitesse 2. So back to the open in replay mode. Je vais mettre vitesse 4 et après je vais remettre vitesse 1 au dernier moment. So real time, right? OK, vitesse 1. Real time now. Ouverture, open. Open. Là, les vendeurs attaquent. On continue. Ils attaquent, mais ça ne passe pas. Vous voyez, ils attaquent, mais vous voyez, ils ont été renvoyés dans les cordes. Huge selling activity, but you see that they make basically no progress on prices. They can't go basically through the bid. Et on a vu dans le carnet des acheteurs se placer. C'est très rapide, mais c'est le moment le plus important. Je le remets parce qu'il faut que vous le revoyez. Hein. C'est très important. C'est ce moment-là le plus important. Let's play it again because you see in the book. Et après. You see the bids here appearing and getting filled, basically. Voilà. Écoute, j'ai fini. Hein. That's it, folks. Yes, pour moi, c'est fini. Bruce. Okay, so that's it. Ouais, ça va. Tu veux que j'en rajoute encore ou c'est bon? Something else or maybe some questions? I don't know, Bruce. Yeah. Okay. No. Really excellent examples. Very clear. And beautifully illustrated. I mean, like, fantastic. I mean, they don't get much better than that. I've been answering questions along the way here. A few questions on. Well, if they can get slides from you, this presentation here. Stefano, I think reach out to Jean-Marc directly. I've been putting the contact information into the chat there for you. Je crois avoir compris la question. En fait, ça, c'est pas gratuit. Hein. Je le donne. You mean those slides, Bruce? I didn't get the question. Yes, these slides here. Those slides are proprietary because you know it's part of a course that Jean-Marc has been giving. C'est le travail de toute une vie. Il y a 200 plus de 200 diapositives et plus de 100 vidéos privées que seulement une petite trentaine de personnes dans le monde ont parce que j'ai fait quelques petites formations. Je ne suis pas formateur, mais on m'a fait tellement de demandes que parfois je l'ai fait. Donc ça, c'est une formation que j'ai faite qui a duré 2 jours. Et donc, c'était pour les gens qui ont fait la formation. Mais voilà, je ne le donne pas, ce n'est pas possible. So, yeah, those slides are just part of about a 200 slides booklet, let's say, where Jean-Marc has gathered all his knowledge and experience about the market. So, unfortunately, this is not available. I mean, it has only been dispatched to about 30 people. As said, I mean, Jean-Marc is not a teacher, but he has been teaching to a couple of in some occasions to a couple of people. So just those kind of 30 people have access to this, ouais, and to about 200 private videos as well. De temps en temps, je fais par exemple. Parce que j'ai tellement de demandes que de temps en temps, je fais une formation ou un séminaire de 2 ou 4 jours. Par exemple, mais c'est en français. Là, j'ai tellement eu de demandes qu'avec Thierry, on en fait une en juin 2020. So there will be a session of those. I think it's en 4 jours, hein, ça? C'est en 4 jours et c'est à Paris, Tour de la Défense.
So there will be a 4 days course. I mean, in a trading arcade and live, basically, with Jean-Marc and Thierry in June. But it's only, c'est quoi? Tu fais une fois par an, deux fois par ouais, an, même mais, pas? Mais non, même pas. C'est, je sais pas. C'est quand, so quand that's one time this year and. Et après, je I sais don't pas. Know. You can contact Jean-Marc if you're interested. But it is in French. Et... It's in Paris, so take this into account. Okay. Well, it's in French. I don't speak and English. It's in French. si vous êtes intéressé, je vais montrer le site de mon ami avec qui je fais cette formation en juin. Et il y a les informations sur sa page d'accueil. Je vous montre. C'est if you're interested, you can find the contact here. Information. Of a trading market profile, which has been given in the first presentation slide, you can. It's the site trading market profile, and les informations sur la formation qu'on fait en juin sont là. So the information about this course are yes. on this website. I've been putting it into the chat. So okay. Several times here, so people have mais it. Mais c'est vraiment très très rare que je fasse ça. Donc ceux qui feront ça, ils auront mes diapositives. Et ceux qui feront ça, ils auront mes diapositives. So those who will, well, attempt those courses will get the slides to finish this, to answer the question. Understood. Et des vidéos, et du coaching, et du et tout et tout et tout. Voilà, enfin bref, c'est surtout c'est pour un public français quoi. Okay. Well, lots of comments coming in and lots of praise and thanks Jean-Marc and Corey, very very nice, very clean, clear examples. Very powerful. I really like the way thanks. That you are looking at your higher time frames, like that first example, very nice. Yes, 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 yes. And then stocking in the order flow, looking for the confirmation for the very high probability trade. Je suis pas, comme je disais au début, je peux pas rentrer dans les détails, ça serait trop long. Mais oui, je regarde les time frames supérieurs. J'ai le market profile en semaine, en mensuel, en trimestriel, en annuel. Je regarde yeah, tous les time frames. We did go very quickly through the context, but obviously the preparation of a training session takes time. And I mean, Jean-Marc is taking a look to the yearly profiles, to the monthly profiles, to the, all time frames, of course, to know exactly where we are and what's most basically likely. Yeah. Si quelqu'un veut me joindre pour avoir plus d'informations, mon mail est là. Trader. You can see here Jean-Marc's email if anyone wants more direct information and or wants to contact him. Et mon ami qui a le site, son mail est là. And Thierry, who's owning the Trading Market Profile website, is you can find the email here as well. Okay, I will. I'm just copying that down now, so I'll put it into the chat for everybody as well. Trader6752@gmail.com. Je peux le faire, Bruce. Okay. Est-ce que je peux le faire? Moi, je vais le mettre. Je vais le faire, Bruce, si tu veux. There you go. There you guys go. There's his email is in there now as well. In the chat. It should be. Yeah, I think so. Yeah, excellent. Okay. Another comment here for everybody out there. This is a feature in Bookmap that you can see Jean-Marc is utilizing heavily. And I just wanted to note that is the replay mode. It is a really powerful tool in Bookmap to be able to go back, replay, learn. Where did you trade? Look at and read the order flow and then go through it again and again and again. You will become very good at reading order flow. So just especially go through the times where you have the wrong trade on to see what you might have missed.
Yeah, the pain is hard to swallow, but it is the best learning tool, I Exactly. believe. So, guys, really excellent webinar. Would love to have you again. And thank you very much, both of you. Excellent job. Thank Thank you. you for having us. Ça Okay, everybody. Well, look on the marche. YouTube channel. I'll have it up in probably about 3 hours if you guys want to watch this recording. Okay. Thanks everybody for Okay. coming, and thanks again, guys. Juste une chose encore, si vous voulez me faire plaisir, allez voir ma chaîne YouTube qui est complètement gratuite. C'est ça, un Bronson Charles Trading Strategy for Traders. Et abonnez-vous, likez, partagez. So if you want to, well, give Jean-Marc this pleasure and just, have a look to his videos and YouTube channel. It's all free, so you can see all the, well, it's in French, but you don't really need much more comments. It's usually self-explanatory. And yeah, subscribe to the channel. Give some likes, it's always encouraging to have such a Il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'astuces. you'll find a lot of information on this channel anyway. All Keep right, curious. excellent. I mean, definitely. Please, everybody, reach out. They really are excellent videos. We've been retweeting them on our Twitter page. I mean, they're excellent. So check it out, and give him a thumbs up on that. Thanks again, guys, and we'll catch up another time. Okay. Au All right, revoir. thank you, Bruce. Okay. Bye-bye. Bye. Goodbye. Bye-bye. Bye-bye, everybody. Ciao.